Le contexte qui justifie une rétrospective de David Hockney, c'est l'approche de ses 80 ans. Plusieurs grands musées internationaux ont eu l'idée de célébrer l'œuvre de David Hockney, qui n'avait pas fait l'objet d'une rétrospective depuis 1986. Picasso est le premier dont il découvre une véritable rétrospective. Celle-ci est présentée en 1960 à la Tate Modern, donc à Londres. Et là, le choc pour David Hockney, c'est celui de la révélation d'un artiste génial qui n'est pas du tout assujetti à un style donné. David Hockney va s'attacher à ce qu'il qualifie dans un premier temps lui-même de versatilité, c'est-à-dire en fait d'éclectisme stylistique qu'il va pratiquer tout au long de sa vie. Un moment de grande rupture dans l'œuvre de David Hockney est évidemment sa découverte de la Californie. Elle survient en 1964 et il arrive dans une Californie qu'il avait déjà fantasmée. C'est le pays du bonheur absolu. Il n'y a pas de pénalisation, en particulier de l'homosexualité, ce qui est le cas en Angleterre. Et puis il y a des lieux de rencontre. D'autre part, c'est la révélation pour lui d'une lumière absolument inouïe. La série des grands doubles portraits sont des tableaux qui sont importants pour le regard que David Hockney porte sur le monde, parce qu'on a beaucoup dit que le sujet même de ses œuvres, c'était l'intersubjectivité, c'est-à-dire ce qui pouvait lier ou opposer un individu à un autre. Et cette dimension extrêmement psychologique, cette introspection par le regard, est quelque chose qui traverse évidemment toute l'œuvre de David Hockney. David Hockney, dès l'instant où il a accepté le principe de cette rétrospective, ne voulait surtout pas que ce soit une rétrospective qui ne soit qu'une pure commémoration. Je lui avais dit, la dernière partie de l'exposition, la dernière salle en particulier, sera consacrée aux œuvres les plus récentes. Évidemment, il a sauté sur cette occasion et jusqu'à, disons, 2-3 jours, même avant son arrivée à Paris, il produisait encore des œuvres en nous les proposant pour l'exposition. Pour lui, cette rétrospective devient, c'est comme ça qu'il la voit, une sorte de préparation à ce qui va venir aujourd'hui. Comme si les derniers tableaux, c'est comme ça qu'il les juge lui-même, étaient la somme de toutes ces recherches développées sur près de 60 ans et qui ouvrent maintenant sur un univers qui fait qu'il n'a aujourd'hui qu'une hâte, c'est de retourner dans l'atelier pour aller peindre les tableaux qui suivent ceux qui sont derrière nous.